est le chef canton de Bafanyanga, le chef de village de Révé. Monsieur l'inspecteur, le chef d'inspection Nebo. Monsieur le président de l'ONG Habitat, Franco. Monsieur le président de l'ONG Nouvelle Vision. Monsieur le directeur CEG Révé. Messieurs les enseignants, chers élèves, toute la population de Révé. Voyante population du village de Révé, messieurs et dames. Permettez-moi de prendre la parole au nom de la vaillante population, bouillante d'ailleurs, de joie et de délire du village de Révé, pour souhaiter la bienvenue à nos élus hôtes qui sont parmi nous en ce jour spécial de l'inauguration des locaux du CEG Révé, implanté dans le grand canton d'Afanyanga. Monsieur le président de l'Espoir de l'ONU Habitat, nous n'avons pas de mots assez élogieux pour apprécier votre présence en ce lieu ce vendredi, en dépit de vos nombreuses et lourdes charges. Vous avez choisi d'être des nôtres ce matin et précisément dans ce village de Révé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pourquoi sommes-nous rassemblés ici? Nous savons tous que l'une des priorités du chef de l'État, son excellence, Fort et solidement assimilé, est quoi? C'est l'éducation. Le gouvernement tient, le président tient à l'éducation. Pour y parvenir, pour y faire face efficacement, un accent tout particulier est mis sur la construction et l'équipement des écoles. Un grand effort se fait dans ce domaine, mais tout ne peut se faire en un seul jour. Pour parvenir en appui aux efforts du gouvernement, l'ONG Nouvelle Vision renforce ses capacités dans l'infrastructure scolaire. Merci à cette ONG. Et voilà aujourd'hui le don d'un bâtiment de 4 classes plus une direction avec des sanitaires modernes, ce qui n'aurait pas été possible sans l'appui de l'ONG Habitat. L'ONG Habitat et Nouvelle Vie, Nouvelle Vision, merci. Le directeur CEG Révé, mesdames et messieurs, la population de Révé, les enseignants, les élèves, bref, tous ceux qui ont porté leur pierre à la réalisation de ce projet. Chers élèves, faites preuve de civisme afin de garder ce joyau, ce beau joyau d'ailleurs, pour les générations futures. Évitez d'écrire sur le mur, de tailler des tailles crayons, de salir le mur. C'est ici aussi le lieu de remercier le chef de village de Révé qui, avec son bâton de pèlerin, va à la quête du développement de son village avec le soutien du chef de canton d'Afanyanga. Nous ne serons terminés nos propos sans réitérer une fois encore le remerciement à nos partenaires en développement, partenaires techniques et financiers, et au cadre du village de Révé, que dans les années à venir, nous assistons à de nouvelles réalisations. Je voulais faire allusion à tout ce que nos prédécesseurs ont souhaité. Sur ce, je vous remercie et bonne fête. Monsieur le préfet du Bas-Mounou, Monsieur le président des conseils du Bas-Mounou et des Lacs, Monsieur l'inspecteur du second degré, Monsieur le représentant ou Monsieur le président de l'ONG Habitat et celle qui l'accompagne, Monsieur le président de CVD, de Révé,
Monsieur le président des parents d'élèves de lycée de CEG de PV. Monsieur le très chef traditionnel de Bavé, de Machala et surtout Tobi Tchadi Premier, le chef de VV. Monsieur le directeur du CEG de VV, ses professeurs, les élèves, la population de VV, mesdames et messieurs. Je voudrais élever d'abord un petit doute. Avant, il y avait le canton d'Afanya. Maintenant, c'est le canton d'Afanyaga, Afanya-Greta et Pessou. Le canton d'Afanya n'existe plus. Donc, CEG Afanya-Hébé, c'est CEG Afanya-Hébé. Je vous remercie. L'occasion qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce bâtiment qui se trouve devant nous, mais derrière moi. Un beau bâtiment scolaire à quatre classes, dont de l'ONG italienne Avita, dont les représentants sont parmi nous ici. Je profite de l'occasion pour les remercier. Docteur Franco et son équipe, merci. Tout le canton d'Afanyaga vous remercie. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a encore de petites choses, mais que de grandes choses que vous allez faire encore ici. Que Dieu vous accompagne et que vous le réalisez vraiment pour l'avenir de ce village. Les élèves et les professeurs, je vous invite à faire un bon usage de ce bâtiment. Tout à l'heure, on nous a fait savoir qu'il n'y a pas de talbam, mais la doléance a été déjà lancée. Mais je réitère cette doléance. Je vous en prie, docteur Franco, je sais que vous n'avez pas assez de sous, mais avec le temps, petit à petit, trouvez-nous des talbams pour ces classes-là. Parce que l'adage de chez nous dit, quand on tue un serpent, il faut lui couper la tête. Si vous ne le coupez pas la tête, le serpent n'est pas complètement mort. Donc, assurons-nous que le serpent là est mort. Et parce qu'on ne peut pas vider les anciennes classes au profit du nouveau bâtiment. Pourquoi? Parce que ce nouveau bâtiment, dans les années à venir, va entraîner beaucoup plus d'élèves qu'avant et l'effectif sera beaucoup élevé. Donc, il faut que les anciennes classes aussi soient équipées, qu'il y ait encore des bancs là-bas pour quand même recevoir tous ceux qui sont, vont venir après. Alors, je vous remercie d'avance. Et surtout, je voudrais, dommage que tous les chefs traditionnels invités de mon canton ne sont pas venus. Pourquoi nous nous mettons les chefs dans le village? Parce que le problème de développement n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Moi seul, je ne peux pas travailler à construire des classes ici, des classes partout. Donc les chefs que nous mettons doivent chacun œuvrer pour le développement de leur milieu. Et je profite de l'occasion pour remercier encore Tobi Tchadi. Tobi Tosavi aussi l'avait fait à Machalet. Je profite de l'occasion pour le remercier. Et je sais que ce que je dis ici, l'écho va aller aux autres chefs qu'ils pensent à leur village, à l'avenir de leur village. Et je sais que ce beau bâtiment va contribuer au meilleur devenir de Rémy. Et je vous remercie.